Bonjour, je suis Oumou Diopsi, la fondatrice de l'entreprise Tutti Tutti Sénégal. Tutti Tutti Sénégal est une entreprise qui s'active dans la transformation et la valorisation des produits locaux, notamment les fruits du terroir que nous fabriquons, que nous réalisons sous forme de compote de fruits, qui sont à la fois destinés aux adultes mais aussi aux enfants. Nous faisons également des jus aux saveurs exotiques et nous nous activons également dans la transformation céréalière à travers des granolas que nous fabriquons et également des biscuits destinés aux enfants pour leur goûter. Nous sommes conscients des nombreux défis qui se posent à ce secteur et parmi ces défis, la question de la sécurité sanitaire des aliments. Quand vous êtes dans la transformation agroalimentaire, la sécurité sanitaire des aliments devient un élément essentiel de votre process de fabrication. Si cette question n'est pas prise en charge correctement, vous êtes relativement voué à disparaître. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel et où les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Pour cette raison, et en termes de responsabilité individuelle, il est essentiel pour nous de veiller à ce que dans nos procédés, la question de la sécurité se retrouve du début à la fin du processus. Nous souhaitons, à travers notre approche, collaborer de façon intensive avec les producteurs qui sont des acteurs clés de notre dispositif. Sans des produits de qualité à la source qui répondent aux normes en termes d'hygiène et de qualité de sécurité, nous n'aurons jamais des produits qui répondent aux exigences des consommateurs et qui soient aussi en mesure de nous permettre d'accéder aux marchés régionaux, internationaux aussi que nous souhaitons atteindre. Donc toutes les entreprises aujourd'hui qui évoluent dans le secteur agroalimentaire, qui sont en pleine expansion, qui ont un vrai, véritable potentiel de développement, à notre avis, doivent aussi s'engager dans cette dynamique-là, travailler sur toute la chaîne de valeur pour permettre cette prise en charge sérieuse de la question. Et donc nous, en tant qu'entreprise jeune, en croissance, nous soutenons fortement l'initiative BD for FS dans cette voie qui est la sécurité sanitaire des aliments. Le projet Business Drivers for Food Safety est mis en œuvre par Food Enterprise Solutions. Ce projet bénéficie de l'appui de l'USAID dans le cadre de son programme Feed the Future. Tout comme notre entreprise partenaire vient de l'attester, la question de la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée. C'est évidemment la responsabilité des entreprises, mais c'est aussi celle de tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est également la responsabilité des consommateurs. Vous êtes une entreprise agroalimentaire. Vous êtes en pleine croissance. Engagez-vous avec BD4FS et devenez des moteurs positifs de la sécurité sanitaire des aliments dans notre pays.